Je l'ai indiqué dès ma nomination, dès mon discours de politique générale, j'ai indiqué que l'État serait une partie à l'accord et prendrait ses responsabilités. Les accords prévoient la possibilité, sous certaines conditions, d'organiser, dans un calendrier prévu, un deuxième puis un troisième référendum. Nous sommes tenus par ces accords, nous ne souhaitons pas en sortir. Mais ça ne veut pas dire que, parce que nous sommes tenus par ces accords, il ne faudrait pas tenir compte des résultats électoraux et notamment du référendum qui a eu lieu hier. Il faut donc que nous parlions avec les forces politiques pour savoir comment elles envisagent la suite. C'est le sens de ma remarque et je pense que c'est le bon sens et l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie.